Marqué dans la Seret HaDibrot, Poked Avon Avot al Banim, al Benei Banim, al Benei Shilashim. Kadosh Baruch Hu, il m'a anis pour les fautes des parents. Alors la Gemara pose une question, et un autre pasuk, Lo Yom Tu Avot al Banim. C'est la couche de la Gemara. Sans la Gemara, qu'est-ce qu'on avait répondu? Tirotz Pashut. Poked avon avot albanim. De qui on parle? Qui est Poked? Kadesh Baruch Hu. C'est Onesh Videi Shamaim, Bedin Shilmala. Quand Bedin Shilmala il est ma'anish, il peut être ma'anish, même poked avon avot albanim. Akevoch, il est poked, il peut punir les enfants pour les péchés des parents. Mais quand le pasuk dit loyum tu avot albanim, ou banim loyum tu alavot ishbecheto yumatu, de quel mita on parle? On parle de mita de bedin, par celle qui t'étse, on parle de mita de bedin. Le bedin shel mata ne peut pas tuer un homme parce que son père est fautif. Le père était rotseach, nous n'avons pas le droit de tuer le fils. Ça, c'est pshat pashut. Il y a dans Tanakh une histoire avec le roi Amatsia. Amatsia était le roi juif, Melech Yehuda, son père s'appelait Yoash. Et ce Yoash, il se fait tuer. Il y a des juifs qui ont tué, ou d'Avadim, les juifs, ils ont tué Yoash. Et quand Amatsia est devenu le roi, il a tué les assassins. Et le texte dit, « Vet bnei hem lo heimit » mais les enfants des tueurs, il n'a pas tué. Pourquoi ?« Kakatov betorat moshe »« Lo yom tu avot al banim »« O banim lo yom tu al avot »« Ishbecheto yomatu » Il a appliqué ce que marquait en Chumash. Donc là-bas, on parle Amatsia. « Ce bedin shel mata »« Bedin shel mata ne tue pas parce que le père a tué. » C'est pas chute. Mais dans la Gemara, il y a une autre réponse. Il y a un autre Moussa qui s'appelle Kan be Ochazi Maase Avotehem Bidehem. Ve Kan be She'en Ochazi Maase Avotehem Bidehem. Quand on dit Poked Avon Avot Albanim, Akadesh Baruch Hu, lui, il peut, oui, punir les enfants pour les péchés des parents, c'est seulement si les enfants sont Ochazim Maase Avotehem Bidehem. Pshat Pashut, si les enfants y fautent, la même faute que les parents. Les parents, ils ont faute et les enfants, ils répètent la faute des parents. Là, on peut punir les enfants même pour les fautes des parents. Mais si les enfants ne fautent pas, on ne les punit pas pour Maasé Avotéhem. Ça, c'est le Pshat Pashut, c'est vrai, c'est le vrai Pshat. Ochazin Maasé Avotéhem Bidéhem. Comme ça, c'est le Pshat Pashut. Maintenant, on va regarder un petit peu une Gemara dans Sanhedrin. Il y a plusieurs Gemarot. Il y a une Gemara à la fin de Masechet Makot. Arba'a Devarim Gazar Moshe Rabbeinu Ubaou Nevi'im Ubitloum. Quatre choses Moshe Rabbeinu a dit. Il a décrété et les Nevi'im sont venus et ils ont annulé. Une des choses, c'est Poked Avot Avot Albanim. Et là, peut-être on peut arrêter un peu. Moshe Rabbeinu a dit « Poked avon avot albanim » sont venus des prophètes, Yehezkel Hanavi, Yirmeya Navi, et ils ont annulé.
Ils ont dit non. Viendra le moment, ils ont dit, que les gens ne vont plus dire Avot achlu boser veshinei banim tikena. Les parents, ils ont mangé des raisins qui n'étaient pas mûrs. Ils se sont fait mal aux dents. Veshinei banim tikena. Et après, les dents des enfants, ils vont subir. Ça veut dire, il existe un phénomène que les parents, ils mangent des raisins qui ne sont pas mûrs. Ça veut dire qu'ils mangent des choses qui ne sont pas bien pour les dents. Et après, les enfants, ils ont des dents qui ne sont pas bien. C'est-à-dire, les enfants, ils sont punis pour les péchés des parents. Alors, Yirmiyahu HaNavi a dit, « Viendra le moment après la délivrance, c'est fini. »« Ish becheto yumatu » Arrêtez de dire le machal avot achlu boser veshinei banim tikena. On ne va plus dire ce proverbe. Ce proverbe va disparaître du monde. Et ish becheto yumat. Comme ça dit la Gemara. Alors, d'abord, les Nevim n'annulent pas des choses de Moshe Rabbeinu. Malgré que c'est marqué, les Nevim, ils ont dit, viendra un moment où il n'y aura plus de guerre. Et dans la Torah, on parle de guerre. Ça ne s'appelle pas on annule la Xéra de Moshe. Parce que les guerres, c'est quand il y a la Sina. Quand il n'y a pas de Sina, il n'y a pas de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il va être Mouvoutal au moment de, après Mashiach, il n'y aura plus de Sina. Donc, le Midouard Milchama, il n'y a pas de Sina, il n'y aura pas de guerre. Il n'a pas annulé, Moshe Rabbeinu a parlé des guerres. Parce que Moshe Rabbeinu a parlé des guerres, Betna, il y a une Sina. Il n'y a pas de Sina, il n'y a pas de guerre. Mais ici, pourquoi d'avot avot albanim? C'est un principe, il existe. C'est vrai ou c'est faux? Si Moshe Rabbeinu lui dit c'est vrai, alors pourquoi après Mashiach, on ne dira plus, Hashem changera, pourquoi il changera? Si c'est un bon comportement, il faut continuer besoin de Mashiach aussi. Si c'est un mauvais comportement, il ne fallait pas que quelqu'un vous relevait jusqu'à Mashiach. Qu'est-ce qui change? Parce que Mashiach, il vient, Hashem, il change. Les décisions de punition, pourquoi? Alors, on va regarder une Gemara Sanhedrin. La Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, qui avait d'arish Rabbi Meir be Pirke. Quand Rabbi Meir, il enseignait, Pirke, ça veut dire quoi, Pirke? Il a fait un drasha be Pirke. C'est quoi, be Pirke? Quand il parlait au grand public, à beaucoup de balabatim, pas seulement chachamim, mais pirke, havedarish tilte shma'ata. Il faisait un tiers de shma'ata, de halachot. Tilte agadeta, un tiers de agadot. Tilte matli, et un tiers meshalim. Meshalim, c'est quoi meshalim? Des fables, des allégories, des fables de renards. Le son du shiur était composé à un tiers de halachot, un tiers de agadot, un tiers des fables, un raconteur des fables. C'est bien, un tiers des fables. Ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? Ça veut dire ce sont des fables qui font comprendre la Torah, sinon c'est pas la peine. Va'amar Rabbi Yochanan Gimel Meot Meshalot Shualim Hayolo le Rabbi Meir. Rabbi Meir, il possédait 300 fables de Shualim, des renards. 300 histoires marrantes. Comment s'appelle chez les Goyim les fables? La fontaine. Mamistama, il a pris. 300 Meshalot Shualim Hayolo le Rabbi Meir. Va'an ou Menou. Rabbi Yochanan dit, En l'anou et le Shalosh. Il nous restait que 3 fables. Quelles 3 fables? Avot, yochlu boser, vishine banim tikhena. Les parents, ils ont mangé boser, ils ont mangé des raisins pas mûrs. Vishine banim tikhena. Et les dents des enfants, ils sont malades. Ça, c'est la première fable. Deuxième fable, mosne tzedek, avne tzedek. Quand tu fais du business, tu dois peser. On met sur la balance la marchandise et la pierre. Tu mets 1 kilo de fromage, tu mets un poids d'1 kilo. Il faut tzedek. Mais si ton poids il est 900 grammes, et tu mets le fromage en face, tu vas vendre 900 grammes. Tu es un tricheur. Si c'est que 900 grammes, le fromage, alors il faut mosne tzedek. Dans la deuxième fable.
Troisième, tzadik mitzara nechlatz veyavo racha tachtav. Le tzadik, il se sauvait de la tzara, et le racha, il a pris sa place. Ça, c'est la troisième fable. Hein? Qui a compris? Rashi. Rashi rapporte le Midrash. Qu'est-ce que Rashi raconte? Avot yochlu bosor, machal hu, c'est une fable. Shirima hashual et azeef. Le renard, il a trompé le loup. Likanes la chatser hayudim be'erev Shabbat. Il est dit, tu sais, aujourd'hui, c'est Erev Shabbat, les Juifs, ils préparent le repas de Shabbat. Tu sais, je te donne un conseil, toi, loup, tu aimes manger. Va dans la maison des Juifs, où le taken imaem tzorke saouda, donne-leur un petit coup de main pour préparer le repas. Toi, renard, toi, loup, tu vas donner un petit coup de main pour les Juifs te préparer le repas. V'yochal imaem be Shabbat, après Shabbat, ils vont te donner à manger. Ou que je bats les canes, alors le loup il est venu vendredi. Chibou alav le maklot, ils ont pris les juifs, ils ont pris des bâtons, ils ont massacré le loup. Baal haroget shual, le loup il est revenu chez le renard. Mais tu es un voyou, ils m'ont frappé. Qu'est-ce que tu m'as donné comme conseil? Omer, alors le shual, le renard, il répond. Lohil kucha ele bishvil avicha. C'est cool. C'est vrai que tu n'as rien fait de mal, t'as voulu aider. Mais c'est à cause de ton père. Ils l'ont frappé à cause des péchés de ton père. Shepam achad hitril sa'ayan besouda. Tu sais que ton père, un jour, il est venu. Et il a aidé aux juifs de préparer le repas. Vachalet kol netachtov, mais il a mangé tout le repas, ton père. Ton père était, il a aussi aidé, il a mangé tout. Alors les Juifs se sont rappelés de ce que ton père a fait, et c'est pour ça qu'ils t'ont massacré. Amarlo, alors le loup il dit, ou bishvil abba ani loke, et à cause de mon père, moi je reçois des coups, la justice. Amarlo, il dit, hein, oui, avot ochlo boser, shine banim tikena. Le père, il fait des fautes, et le fils il est frappé, oui, c'est comme ça. Aval, mais si vraiment tu veux manger, bon, viens. Bon, il m'y vient avec moi. Va arech, ma comme les chol velisboa. Je te montre un endroit où on peut manger et on peut se rassasier. Balo el haber, il est venu chez un puits. Val sefato mutal etz. En haut, il y avait un morceau de bois. Va chevel mushkafalav, il y avait une corde. Ou bishtei roche chevel shneid liyim keshurim, il y avait deux seaux qui étaient accrochés. Nichnasa shaual bidli haelion. Le loup, il a sauté dans un dli. Le renard. Vihbit, c'est devenu lourd. Veyarad la mate, il est descendu en bas. Vedli a tartona là, l'autre, il est monté. Amarlo hazeev, le loup, il a dit. La mate nichnas lisham, pourquoi tu rentres dans le trou? Amarlo, il est dit, Yeish kan basar ve gvina lechol. Ici en bas, il y a de la viande, il y a du fromage à manger. Vilisboa, tu peux te rassasier. Veerolo dmut halvana bamayim kidmut agol kmin gvina agula. Et comme la lune rentrait, ça faisait comme ça une lumière rentre, il est dit, tu vas le fromage ici. Amarlo, il est dit, Ani eich ered, mais comment je vais descendre? Amarlo, il a dit, Hikanes atabid li haelion. Rentre dans le seau qui est en haut. Nichnas, il est rentré. Vichbi est devenu lourd. Vayarad, il est descendu. Vadli, Shashual, Alav, Allah, il est monté. Alors, en bas, il voit qu'il n'y a pas de fromage ni de viande. Amarlo, il dit, Hey, Chaniole, comment je monte maintenant? Amarlo, Tzadik, Mitzara, Nechlatz, le Tzari, le Tzadik, il se sauvait de la Tzara. Veyavo racha tachtav, et le racha, il a pris sa place. Ça veut dire, toi, tu es descendu, moi, je suis monté, le tzadik, il est sorti vivant, maintenant, c'est toi, tu as pris ma place. Lokarktiv, est-ce qu'il n'est pas marqué dans le navi, mosne tzedek, vavne tzedek, qu'il faut avoir un poids juste. Un poids juste. Le même poids. Mais si tu fais injuste, eh ben, ça descend ici, ça monte ici. Tant que tu es descendu ici, moi je suis monté. Ça veut dire quoi?
אבות אוכלו בוסר ושין איברים תקנה, מוז נצדק אבי צדק, את צדיק מצרה נחלץ, ויבור רשע תכתב שטוס דון למהם היסטואר. מה לה לגמרא? כסקה לגמרא היא לא נטרן דרך קונטי איסי. מכסקה, הוא מה בעריבי? מכסקה, עשרים מה כבר? שפוי, אבק לפרומז, אבק ללון, אבק סדסון, אלה כאלה למשל, un machal qui correspond à trois psukim. Et quel moussar askel j'apprends de cette histoire? Et qu'est-ce qu'il se moque de lui, des choual? Qu'est-ce qui se passe dans cette gemara? Qu'est-ce que Rav Meir il a dit ici? Alors on va essayer comme ça. Écoutez bien. Attachez vos ceintures de sécurité. Rashi dit que le renard, il est parti chez le loup, il a dit, tu veux manger, va vendredi, c'est vendredi, les juifs, ils préparent le Shabbat. Donne-leur un petit coup de main, et tu mangeras aussi Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat chez les juifs? C'est quoi Shabbat chez les juifs? Motamashiach. Les juifs, ils mangeront Shabbat, la récompense de leur mitzvot. Et Erev Shabbat, ils préparent, ils font des mitzvot. Est venu le renard, il vient chez le loup, il dit, toi aussi, tu veux manger? Tu veux aussi, Olam Haba? Il dit, oui, donne un petit coup de main aux juifs. Va, donne un coup de main aux juifs. Ça veut dire quoi, donner un coup de main aux juifs? Imite un peu les juifs. Fais aussi des mitzvot comme les juifs. Parle bien des juifs. Donne-leur un coup de main dans l'application de leur religion. Eh bien, ils vont partager le repas Mashiach avec toi. Il dit pas mal. Alors le loup, il est parti. Il est rentré dans la maison des juifs. Il dit, je vais vous donner un coup de main pour faire des mitzvot. Alors les juifs, ils l'ont massacré. Alors, il est venu chez le renard, il voulait le manger. Mais quel mauvais conseil tu m'as donné? Ils m'ont frappé. Il dit, ils t'ont frappé à cause de tes parents. Parce que tes parents, ton père, un jour, il a aidé aux juifs, mais il a mangé tout le repas. De quoi il s'agit? Il s'agit ici, donc, des non-juifs, plusieurs générations de non-juifs. Et l'ancêtre de ce peuple-là a un jour voulu aider aux juifs, mais il a mangé tout. Il a enlevé tout le repas aux juifs. Il y a une nation qui voulait venir aider aux juifs, pratiquer la religion, mais ils ont mangé tout le repas, ils ont détruit les juifs. Et c'est pour ça, maintenant, tu as voulu encore une fois aider, on t'a frappé. Mais si tu veux vraiment manger le Olam Haba, viens, je vais te le montrer. Il est parti chez un puits. Alors, il lui montre, il saute et il descend. Il dit, tu vois qu'il y a un fromage ici, comme une lune. Il faut chercher cette lune et tu auras quoi à manger. Il y a un peuple qui cherche la lune. Que pour eux, c'est basé, ils courent derrière la croyance de la lune. Et le renard, il dit, cherchez cette croyance de la lune, vous allez quoi manger? Lui, il saute, il descend, et l'autre, il dit, viens, comment? Ben, va dans l'autre. Et l'autre, il monte. Il est en bas. Il n'y a pas de fromage. Il n'y a pas le Olam Haba. Mais comment je vais sortir? Tu ne peux pas sortir parce que toi, tu as transgressé Moznetzedek. Toi, loup, tu n'as pas compris que quand on a des Moznaïm, le phénomène de Moznaïm, c'est quand ça baisse, ça monte. Ça baisse, ça monte. Si toi, tu avais un principe dans ta tête de comprendre qu'il faut avoir des bonnes mesures et mesurer correct, tu serais pas un imbécile de rentrer dans ce lit et descendre, tu aurais dû comprendre comment je monte.
Comment ça se fait que tu es rentré? Tu n'as pas compris que ça marche comme ça? Parce que chez toi, tes mosnaïm sont tordus. Quelqu'un qui a des mosnaïm tordus, eh ben, à la fin, le tzadik, il est sauvé de la tzara et le rachat reste tombé. De quoi il s'agit? On n'a toujours pas compris. Alors le pshat, il est comme ça. Il y a un peuple dans le monde que leur émouna, il est basé sur une lune. Vous la connaissez, cela, ce peuple? Tous les Ishmaélites, ils ont une lune. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à un Ben Dod, pourquoi tu crois à ton prophète? Qu'est-ce qu'il te dit? Parce qu'il savait faire des miracles. Et tu dis, mais quel miracle il a fait? Il a coupé la lune en deux. Un jour, il était là, vas-y, tu devais demander en face. Type en face là. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il était avec ses adeptes. Ils ont dit, faites un miracle, Moshe, il a fait des miracles, faites-nous quelque chose. Et bien, il dit, vous voyez la lune? Je la casse. Clic! Et la lune, elle s'est cassée en deux. Et tous les Arabes, ils ont vu, donc ils ont cru. Comme ça, quelqu'un va te la raconter. C'est basé, bien sûr, sur un verset dans leur livre. Regardez les merveilles, comment la lune s'est cassée. Parce que comme il y avait un juif qui faisait qui douche le vanin, les juifs, ils parlent de tous les merveilles qu'Akadosh Baruch Hu fait. Alors regardez les merveilles, il parle beaucoup des merveilles de ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, il ne parle jamais des merveilles à lui. Il dit toujours, quand les juifs, ils ont demandé, et les Arabes, faites un miracle, il dit, je ne sais pas faire moi. Mais si Hachem il veut, il peut faire. Mais moi, je ne sais pas faire. Alors il parle de tous les miracles, de la pluie, et des triatémétimes, et comment l'enfant il naisse, et du miel, et de... Il parle beaucoup des miracles, des flottes, entre autres, il dit, regardez la lune, c'est-à-dire, elle grandit. Alors il croit comme ça. Très bien. Un jour, ils ont décidé, ils veulent Olam Haba. Alors il dit, les juifs, ils auront Olam Haba, le Shabbat, et il faut leur donner un coup de main. Alors lui, leur premier, il leur a donné un coup de main. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a donné le coup de main aux juifs? Il a dit qu'il faut croire à Moshe Rabbeinu, à la Torah. Mais il a mangé tout le repas, il a massacré les juifs. Après, des générations après, il arrive de nouveau. Et là, le renard c'est le rusé. Le renard c'est le Yetzarara, ou Yetzarara, ou Malach HaMavet, ou Midat Hadin. Il viendra un jour chez lui. Il dit, vous voulez manger bien, oui. Venez, les juifs préparent Olam Haba. Donnez-leur un coup de main, vous allez partager. Il vient, et les juifs les massacrent. Le loup, il dit, pourquoi on m'a massacre? Il dit, c'est à cause de ton père. Il dit, parce qu'à l'époque, il massacrait les juifs. Il dit, parce que eux, c'est pour ça que moi je suis puni. Il dit oui. Avot achlu boser vishine banim tikena. Il dit, tu veux vraiment manger? Viens au puits. C'est quoi le puits? Leur ancêtre était sauvé par la pluie. Ismaël était en train de mourir. Tu es sauvé par un puits. Viens, viens au puits. Et regardez, tu vois la lune. Il faut suivre la lune. Tu auras quoi à manger à la Maba? Et le choua, il rentre, il descend, il y a beaucoup à manger. Il dit, et moi? Eh bien, rentre, tu vas descendre. Et le choua, il monte. Il n'y a rien à manger en bas. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, tu avais des mauvaises mosnaïm, mosnetzedek. Qu'est-ce que c'est des mauvais mosnaïm? Pshat, il est comme ça, écoutez bien. Des fois, un homme, il voit comment l'autre il se comporte. Oui? Comme l'histoire de Yosef, oui? Yosef, il disait sur ses frères qu'il me regarde sur les bnot knanim. Oui, comme ça Rashi dit. Il y avait Yosef et Dibatam Ra'el Avihem. Ah, ils ont des bnot knanim. Où les frères, ils avaient bnot knanim?
Quand c'est monté à l'esprit de Yosef que les frères ils ont benot Knaanim, c'est parce que Shimon s'est marié avec une Knaanite, et Shaul ben la Knaanite. Shimon a un fils Shaul, Shaul ben la Knaanite. Donc si Shimon se marie avec une Knaanite, il a un enfant de Knaanite, donc il s'est marié avec une Knaanite. Mais qui c'était cette Knaanite? Dina. Et pourquoi elle s'appelle Knaanite? Parce qu'il était Nivala, le Shrem, Shouk et Knaani. Donc il a mis un Touma sur Dina. Donc Yosef a dit, il ne faut pas que tu m'aies avec Dina, ça ne se fait pas. Elle a un Touma de Knaanite. Vishlumi el ben Tsuri Shaddai, Zimri ben Salou, Hu Shaul ben Aknaanit. Il a mis un Touma sur Dina. Donc il ne faut pas prendre cette Touma, Shimon, pourquoi tu marches avec un Knaanite? Nid Galgel, que Yosef se marie avec qui? Avec Osnat. Qui c'est Osnat? La fille de Dina et le père il est Shrem. Pourquoi que des jours tu me galgel comme ça? Pour que Yosef il remarque qu'il se trompait. Quand tu juges l'autre, après on te fait la même chose. Et maintenant on va voir comment tu juges. Maintenant on va voir comment tu juges. Quand Yosef se marie avec la fille de Dina, il dit, oui, il y a un problème chez les parents de ses parents, mais, dans ces circonstances-là, ça se justifie. Mazal tov. Si pour toi, tu as des justificatifs, maintenant, juge l'autre aussi avec ses justificatifs. Un homme, il peut juger l'autre mal, mais après, ça lui arrive dans sa famille. Et il va être l'avocat pour ça. Et maintenant, tu prends ça et tu répands ce que tu as fait à l'autre. Un homme est jugé minashamayim comme lui juge les autres. Et minashamayim on montre. Maintenant, il y a un peuple dans le monde qui nous a toujours accusés, qui nous ont fait du mal. Tous ses cousins, depuis 1400 ans, ils ont mis quatre guimes contre les juifs. Quel est leur kitroug? Vous savez quel est leur kitroug? C'est marqué dans la Torah que vos parents, ils ont fait les Hegel. Et qu'ils se sont rébellés dans le désert. Et Dieu vous a fait détruire le Beth Amikdash. Il s'est fâché contre vos parents. À quel rapport avec nos parents? Nous, qu'est-ce que nous avons fait mal? Vous devez être puni pour les péchés de vos parents. C'est ça qu'ils nous ont dit. Comme les autres qui fêtent le 24 décembre. Ils disent, vous les juifs, vous êtes fautifs parce que vous avez tué l'autre. On l'avait pendu. Si on a pendu ou pas, c'est pas ça la question. Mais nanir qu'ils ont pendu. Et qu'est-ce que tu veux de nous aujourd'hui? Mais vous êtes fautifs au péché de vos parents. Mais parce qu'il y a 2000 ans, ils ont pendu un, et moi je suis fautif. Oui. En 1942, il raconte à Weissmann, il était à Bratislava, il est parti chez l'archevêque de Tchèque. Il est parti en Slovaquie, il a dit, Monsieur archevêque, vous voyez qu'on amène des hommes, des femmes, des vieillards, des bébés juifs, on l'amène dans les camps de concentration, tous ces gens innocents, et vous, vous taisez, mais pourquoi vous ne levez pas la voix contre les... Il a répondu, il n'y a pas une âme juive innocente. Voilà la réponse. On n'est pas innocent parce que nos parents, ils ont fauté. Dans leur jargon, ils supportent pas les juifs parce que nos parents, ils ont fauté autrefois. Et c'est pour ça que tu nous punis. Eh oui, ça s'appelle Avot Achlou Boser V'shine Reshaim Shine Banim Tikena. Très bien. Très bien. Vous jugez comme ça, vous allez être jugé comme ça. Viendra le moment où ils voudront bémettre, prendre, partager, quand ça se prépare le repas des Juifs. Ils viendront aussi. Qu'est-ce qui fait le renard? Le renard, il dit au loup, « Vas-y, descends, il faut courir vers ta religion.
Et là, tu relâches là-bas. Et il rentre et lui, il sort. Et lui, il dit, on va, il peut plus s'en sortir. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, tzadik mitzera nechlatz, veyavo racha tachtav, parce que mozne tzedek. Tu n'avais pas de moznaim tzedek. Qu'est-ce que ça veut dire, moznaim tzedek? Quand un homme, il fait une avéra, un autre, il fait une avéra. Quelle avéra est la plus grande? Des fois, c'est avéra, des fois, c'est avéra. Mais il y a des gens qui mesurent deux poids, deux mesures. Ça existe le phénomène de, vous savez, l'expression deux poids, deux mesures. L'autre, on juge, mais soi-même, on juge autrement. Nos cousins, ils ont donné beaucoup d'importance à leur mitzvot. Et ils ont diminué le poids de leur avérot. Et les avérot des juifs étaient grands à leurs yeux. Et les mitzvot des juifs, peu. Les persécutions sont basées sur un regard faussé. Ils croient qu'eux sont les tzadikim devant Hachem, et nous sommes Hashem des Rechem devant Hachem. Parce qu'ils ne mesurent pas bien. Vous connaissez cette blague-là? Vous la connaissez? Hein? Dans deux minutes, je crois. Bon. Une petite fille de 6 ans se fait attaquer par un bulldog. Vous la connaissez? Une petite fille de 6 ans se fait attaquer par un bulldog. Il se jette sur elle. Il y a un type à côté qui l'a vu ça. Il commence à frapper le bulldog. Ah, le bulldog, il oublie la fille. Il s'attaque à lui. Il veut le tuer, lui. Et alors lui, il se frappe le bulldog, il fera un truc, à la fin, il a gagné. Un type à côté, il avait son iPhone, il a filmé la scène. Il a fini. Il a dit, je suis journaliste au, je sais pas, au Figaro, au Monde. Demain, je vais l'écrire, vous allez recevoir la première page. Eh ben, Parisien, courageux, terrible, a sauvé une petite fille en se battant avec un bulldog, il a frappé. Voilà les photos. Un type dit, mais je ne suis pas parisien. Elle dit, bon alors, français téméraire, avec beaucoup de courage, a sauvé une petite fille de la main d'un bulldog, voilà. Elle dit, mais je ne suis pas français. Elle dit, bon, européen téméraire, il a... Elle dit, mais je ne suis pas européen. Elle dit, alors vous êtes quoi? Elle dit, mais je suis israélien. Elle dit, ah bon? Bon, je vais vous faire une... Non, le lendemain matin, les types se lèvent, ils courent au kiosque pour acheter Le Monde. Et ils trouvent la photo israélien avec brutalité extraordinaire, avec une folie, s'attaquant à un bulldog et le frappe et le tue. Et voilà la photo. Il y a deux poids, deux mesures. On juge les autres. Et la avéra de l'autre, il est agrandi. Et les mitzvot de l'autre sont rapetissiers et c'est propre. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les persécutions. Il n'y avait pas mozne tzedek, avne tzedek. Ce que la Gemara nous raconte, qu'à la fin, ils vont se faire piéger. Pourquoi? Pourquoi à la fin, tzadik mitzera nechlatz veyavo racha tachtav? Parce que ces gens-là n'ont pas jugé toujours Mozne Tzedek, Avene Tzedek. Ils se sont donné de l'importance à leur mitzvot. Et aux mitzvot des juifs, ils n'étaient pas importants. Et leur avirot était léger, et les avirot des juifs étaient terribles. Quand on dit Poked Avot Albanim, Albene Banim Al-Shilishim, ça c'est Bo'ochazim Maase Avotehem Bidehem. Veut dire celui qui juge l'autre, je te frappe. Pourquoi tu me frappes? Parce que ton père a fauté. Tu me frappes parce que mon père a fauté. Oui. Je mérite des claques parce que mon père a fauté. Oui. Ochazin, maase avotehem bidehem. Il accuse l'autre, il frappe l'autre. En faisant référence au péché de l'autre, si toi tu accuses l'autre comme ça, tu lui fais mal,
Dans ce cas-là, poked avot albanim. Dans ce cas-là, Hachem va pour toi aussi te punir pour les péchés des parents. Mais l'autre qui juge l'autre d'après ce que lui il a fait, et pas pour les péchés de l'autre, HaKadosh ne va pas lui appliquer la punition des péchés des parents. Pourquoi il raconte Yirmiya Yecheskel qu'elle a tit lavo, il n'y aura plus à votre ochlebonim, al tomrou, comme ça dit Yirmiya Navi, al tomrou, viendra un moment où vous n'allez plus dire à votre achlubanim, au shinebanim, vous n'allez pas dire, vous allez dire à partir de ce moment-là, ishbecheto yumat. Pourquoi? Parce que comme il dit dans Hazinu, mirosh parot oyev, comment il dit les pasouk au début de mirosh parot oyev? Ashkir chitzai midam ve charbi tochal basar midam halal vishivya mirosh parot oyev. Ça veut dire qu'on parle qu'à Kadesh Baruch Hu à la fin, quand Mashiach vient, il est mal coré. C'est bien. Hein, quoi? Chazak. Alors, c'est que Kadesh Baruch Hu va leur donner des bonnes leçons. Mais Rosh Parot Oyev. C'est quoi Rosh Parot Oyev? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mitrilat Puranutan Shehereu le Israël. On ne rappelle pas le langage de Rashi exact. Depuis que les Rechaïm ont embêté les Juifs, Mirosh Parot Oyev, toute la sauvagerie que les Sonim ils ont fait au clan Israël depuis le début de leur histoire, Hachem va leur payer ça au moment de la Goula. Pourquoi? Parce que eux nous ont persécutés avec cet Ta'anot. Eux, ils ont persécuté nos Ta'anot, que nos parents ils ont fauté, on mérite des claques. Donc à Kadesh Baruch Hu va leur donner les claques. Mais après ces claques, ils ont compris. On n'accuse pas quelqu'un pour les péchés du père. C'est pas juste. Ou mais c'est fini. Donc la tide la vaut, on va plus dire ça. Poked avon albanim, la tide la vaut, Hachem va plus punir quelqu'un. Parce que les gens, ils vont arrêter d'accuser les autres. Parce que s'ils avaient fait Moznetzede correctement, eh ben, ils auraient vu que leur mitzvot ne dépasse pas les mitzvot des Juifs. Et leurs avérotes ne sont pas moindres que les avérotes des Juifs. Ou peut-être, ils étaient un peu plus grands aussi. On méritait pas qu'eux nous persécutent pour nos péchés. Si regarde bien les péchés des Juifs. Il y avait des Juifs, ils ont fait des péchés. Et chez eux aussi, hein, ils ont fait. Et le poids, il n'est pas en faveur de dire que nous avons péché plus. Ils n'avaient pas des Moznetzedek. Nimsa que les trois Meshalim, ça c'est ce que Rabbi Meir il est dit. Tilte agadete, tilte Meshalim. Avec ces Mashal, il a expliqué les Dimrei et Torah. Bon, voilà, jusqu'à ici.